Alors, c'est du hip-hop symphonique, version classique. Absolument, 30 classiques du hip-hop en version classique. Mm-hmm. L'Orchestre symphonique de la Radio Nationale Polonaise a récemment donné un concert entièrement consacré à ce genre musical aux commandes le jeune chef et compositeur Radimir Debski, aussi connu sous le nom de Jimek, qu'on a vu tout à l'heure. Le résultat, vous l'entendez, vous l'avez entendu, est assez déroutant. Est-ce que vous avez reconnu certains artistes? Absolument pas, parce que j'étais encore concentré sur Burundi. Alors, je vais vous aider. On le regardera après ensemble à nouveau. Voici quelques noms: 50 Cent, Wu-Tang Clan, Kendrick Lamar, Kanye West, Missy Elliott et bien d'autres encore, donc des grands noms, version symphonique et classique. Alors, on va partir à Bruxelles qui accueille en ce moment trois foires d'art, il faut le dire, simultanément. Oui, trois foires dans les ruelles du quartier du Sablon, bien connu pour ses galeries. Le temps d'une petite semaine, elles servent d'espace d'accueil et d'exposition à la BAF pour les arts anciens, à l'AAB pour les arts d'Asie et à la Brunéaf consacrée aux arts premiers, la Brunéaf la plus importante et la plus ancienne, puisqu'on célèbre son quart de siècle. L'événement est né à l'initiative du marchand d'art Pirlos, bien connu sur la place bruxelloise, qui avait voulu organiser un événement avec d'autres en commun, un événement en commun. Mm-hmm. Le rendez-vous s'est ensuite installé et s'est agrandi. Grand connaisseur de l'art africain, des origines, Pirlos parle, lui, d'art primordial, né avant toutes les autres formes d'art. Et il est temps que, quelque part, l'art des origines de l'humanité prenne sa place, qui est pour moi la première à prendre avant toutes les formes d'art, puisque ce sont nos ancêtres, ce sont nos racines. Et si vous voulez, quasi tout a été fait par les peuples premiers, primordiaux, et après, c'est un peu de la réinvention, c'est un petit peu aussi d'interprétation. Mais c'est vrai que si on cherche un petit peu, que ce soit le cubisme, que ce soit l'abstraction et tout ça, ils ont fait ça bien avant nous, hein, ce qui est logique. Voilà. Alors, la Brunéaf est une foire avec des vendeurs, des acheteurs. Et avec cette exposition, Uzuri wa Dunia, ce qui veut dire « beauté du monde » en swahili. On peut y voir certaines œuvres achetées au fil du temps par des collectionneurs, la plupart belges, et prêtées pour l'occasion. Le cadre idéal pour rencontrer Didier Classe, l'actuel président de la Brunéaf, et faire un point avec lui sur la place de l'art africain. L'art africain a aussi une évolution. Il a tout d'abord été un art de souvenir. C'était l'objet qu'on ramenait dans les valises en retour d'Afrique par les coloniaux. Après, ça a été un art de curiosité. C'est devenu plus tard un art populaire. Mais aujourd'hui, c'est un objet de collection à part entière. Donc on a autant bien des amateurs d'art qui viennent par curiosité, mais on a aussi des véritables collectionneurs qui, pour la plupart aujourd'hui, proviennent de l'art, de l'art moderne et de l'art contemporain. L'art africain, c'est une chose qui reste accessible. On peut toujours pouvoir acquérir des objets à quelques centaines d'euros, même si on entend parler de plusieurs millions. Donc il faut garder l'esprit que l'art africain reste un art accessible. Et alors, on va voir l'invité d'honneur de cette 25e édition de la Brunéaf, c'est la Fondation Syndica d'Okolo. Du nom de cet homme d'affaires congolais installé en Angola, sa collection africaine d'art contemporain est complétée par un ensemble important d'art classique, plus de 500 pièces provenant de 28 pays du continent. Son objectif est d'inverser cette tendance qui consiste à exposer l'art africain à l'étranger, mais jamais sur son propre continent. Et pour Syndica d'Okolo, cela passe notamment par la mise en place d'une politique culturelle efficace. Son engagement dans l'art est politique. L'idée, c'était d'organiser une fondation autour de certains principes qui nous semblaient moraux et politiquement importants, comme par exemple le fait d'intégrer l'Afrique dans les circuits du monde de l'art, et l'idée est d'exposer le public africain à sa création contemporaine. Ce que j'ai découvert au fur et à mesure de mon travail dans la collection et dans la fondation, c'est que le pan classique de ma collection, qu'on appelle souvent l'art premier, moi j'appelle de l'art classique, et le pan contemporain de ma collection, en fait, ne font qu'un. Fondamentalement, ce qui m'intéresse, c'est la manière dont, dans notre ADN de nous, Africains, nous relationnons à l'art, qui est une question qui est complètement spécifique et qui nous vient vraiment de nos ancêtres. Le fait, par exemple, qu'on ait des œuvres d'art aujourd'hui dont on ne connaît pas le nom des artistes, mais qui arrivent à avoir une existence propre. Elles ont une espèce de force intérieure, ce que Picasso appelait cet art de puissance, cet art d'exorcisme. C'est un peu notre héritage à nous, les Africains. Il faut qu'on se le réapproprie, il faut qu'on le célèbre, et il faut en même temps qu'on arrive à se déterminer autour de nos valeurs. Avis aux Bruxellois, tout ça se termine demain. Donc il reste encore dimanche pour aller voir. Courez-y si vous êtes à Bruxelles, c'est dans le beau quartier du Sablon, on l'a dit tout à l'heure. Merci Sylvia, à demain.